Salut les Pokéboys et les Pokégirls, j'espère que vous allez bien, c'est Mega Pikachu et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 34 et final de ce Let's Play sur Pokémon Crystal. Et aujourd'hui je suis en compagnie de plein de monde. Alors, dites bonjour les gens, on va vous présenter au fur et à mesure. Et salut. Donc, on va vous présenter un par un. Donc je suis en compagnie de Maja. Salut. De DevDix8, est-ce que je prononce bien? Ouais. Ça va bien. Et de Narutobi. Salut. Donc, ouais, c'est que... bon. J'espère que je ne me suis pas trop trompé dans les pseudos. Donc, normalement, il devait y avoir deux autres personnes qui devaient venir, sauf que une ne peut pas venir, on a prévenu il y a assez longtemps. Et une autre personne qui n'est pas là, tout simplement. Donc, si jamais la personne rejoint pendant la convo, vous inquiétez pas, c'est normal. Enfin, bref, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est l'épisode final comme je vous ai dit et on va continuer tout simplement. Donc je vais vous montrer vite fait ma team. Donc je vais pas vous mentir, je ne les ai pas fait XP, j'ai utilisé l'action replay. Je sais, je suis un délinquant, mais tout simplement parce que si vous avez vu l'épisode précédent, Pokémon était vers le niveau 60, un truc du genre. Donc faire XP un Pokémon de 15 niveaux chacun, ça devient compliqué. Voilà, et j'avais pas trop envie. Donc à la base je voulais mettre au niveau 80, mais je me suis dit ça allait être trop facile. Donc je les ai mis niveau 75, je pense que ça ira, mais bon, ça on va essayer. Et donc voilà, je crois que vous me pardonnerez. Et donc Mais oui. Voilà. T'as pas d'excuse, t'es designaire. Mais non, c'est pas juste. Tu nous as tous trahis. Mais non, pas du tout. Absolument pas, non. Et donc, on va continuer. Donc, je vous propose qu'on parte pour le mois en argent. Tout simplement, le prof Chen nous avait dit, donc je crois qu'il faut partir depuis Jadiel. On y va. Oui, c'est pas grave. Et donc, voilà. Donc, c'est assez exceptionnel parce qu'aujourd'hui, j'ai pas grand-chose, pas de choses à vous dire. À part que je suis un petit peu en retard au niveau des vidéos. Mais ça, vous êtes habitué, je pense. Donc, Cafabec, c'est pas que... Voilà, mais... J'ai pas trop envie de me combattre contre toi. Ah bon? Cafabec niveau 3, non. Non. Oh, t'as peur! Oh! Il a débloqué niveau 70, il a peur. Non, mais juste que, bon, j'ai pas trop envie de perdre de temps avec ça, quoi. C'est l'ironie du sport. D'accord, c'est quoi ici? Ok, c'est la Ligue. Ouais, mais on peut passer... De toute façon, je me trompe complètement. Peut-être pas. Route 28. Est-ce que ça mène, la route 28? Oups. Route 28. Dis-moi où tu mènes, route 28. Que je me trompe pas de chemin. Ah, ok, ça veut pas me dire. Je pense que c'est par là. Si c'est pas là, au pire, c'est pas grave. Donc... Un Pokémon sauvage. Mais qui est-ce? C'est un Galoppa, niveau 40. Ah, c'est du... Magnifique. Ouais, voilà. Bon. Histoire de ne pas fuir tous les combats, on va quand même se battre contre Galoppa. Faudrait peut-être pas perdre là par contre. Non, c'est vrai. Mais dans ce flamme sur un tétard, je pense que ça va pas faire grand-chose. C'est vrai. Moi aussi, j'ai quelques doutes. Bon. On va le one-shot, je pense. Voilà, c'est fait. Voilà. Alors, par où on passe? Par là.
Non, on passe en haut. Non, on va passer en bas parce que c'est un cul-de-sac. Sac de nœuds. En glacé, ça va être tranquille. Parfait. Bon, par contre, faudrait pas exagérer, un Pokémon tous les deux pas, ça. Voilà. Grotte argentée. Hey, grotte argentée. Je me suis trompé dans le... Donc, ça devrait... Ah tiens, un centre Pokémon. Mais c'est trop bien. Je sais pas pourquoi je les ai fait soigner, mais c'est pas grave. C'est vrai que là. Eh oui. Dire que ça fait quand même un an que je suis sur ce let's play, un an que j'ai rien foutu. Ouais, t'as pris ton temps là pour lui. Ouais. Pour le coup. Moi tu vois, ça m'aurait pris 3 ans et demi, tu vois. Voilà. Environ, peut-être un peu plus. Ah, le mort argent, je savais pas qu'il fallait flash. Bon. Ah, par contre, je crois que j'ai un Pokémon qui a flash. Je crois. Ça serait pas mal. Migalos, il a flash, mais c'est parfait. Voilà. Bon, alors maintenant, par où il faut aller, faut pas me demander. On va essayer d'y aller comme ça. Ok. Voilà. Alors, peut-être par là. Ben, j'ai trouvé une hyperbole, ça va être, ça va m'aider vachement utile. Ou pas. Ah, tu pourras toujours essayer d'assommer Red au cas où. Ah oui, oui, c'est une bonne idée. Un Mandrillex. Non. Pas trop envie. Non merci. Continuez par là. Non mais je tape des dégâts tellement haut. Oh putain. Ok, l'entrée elle est là. Bon. Parasecte dans une grotte. Mais pourquoi pas? C'est marrant, les Pokémon des grottes sont jamais utiles en fait. Oui, c'est vrai. On n'a jamais besoin. Matchhopper, encore. Bon, ça dépend quel type de grotte. Genre un Lugia, personnellement, je trouve pas ça trop trop nul. Hein. Ah bon? Moi, je croyais que c'était le plus nul du jeu, moi. Ouais, moi aussi au départ. Puis après, j'ai vu Magikarp et j'ai changé de point de vue. Ouais, voilà, voilà. Ah quoi, non merci. Non, ce n'est pas là. Peut-être ici. Oui. Alors. C'est pas là qu'il fallait aller. Génial. Ah mais si, j'ai rien dit. Une Pokéball. Rappel Max, mais je n'ai plus de place dans mon sac. Hein. Quel dommage. Alors, il faudrait peut-être que je jette quelque chose. Un truc inutile. Genre, une huile. Ouais. Huile, ça sera. Non, j'ai pas dit donner, j'ai dit jeter. Les huiles essentielles au beurre de karité. Voilà. Bon, c'est bien. Ça peut servir. Hein. Rappel Max. Je pense que c'est plus intéressant quand même. C'était quand même pas par là qu'il fallait aller. Bon. C'est pas par là non plus. C'est
sûrement, Marco. Ok, je ne peux pas faire surf. Bon, d'accord. Mais je suis déjà à Red. Red, ouais. Je suis déjà à lui. Ok. Je parie, tu vas pas y arriver. Non, mais c'est impressionnant parce que la grotte est quand même assez grande. Mais pour accéder à Red, ben c'est pas compliqué. Mais vraiment pas. Bah allez, les paris sont ouverts. Les paris sont ouverts, les gens. Alors, est-ce que je vais gagner ou non? En attendant, j'arrête pas de tomber sur des Pokémon sauvages. Attends. Alors, qui est-ce que je peux mettre en première position par contre? Réfléchissons. Alors, Ratata, Gravalanche, Typhlosion, Tétard, Mégalos et Spectrum. Je ne sais vraiment pas. Bon, on va rester avec ce qu'on a. On va voir ce que ça donne. Donc ben les gens, est-ce que je vais gagner ou non? On va voir ça tout de suite. Trois petits points, trois points de suspension. Point de suspension, comme vous voulez. Bon, il est pour très causant, hein. Ok, ça lance le combat directement, ouais. Ah, je me rappelle. De toute façon, c'est peut-être son Dracaufeu qui lui a bouffé la langue. Ouais. Quand il était petit. Dresseur Red va se battre. Quelle musique épique. Il envoie Pikachu. J'envoie mon Ratatak. Tu sens les piqueries. Maintenant, son équipe, c'est Pikachu, Mantali, Tortank, Florizard, Dracaufeu et après, je sais plus. Ouais. Il a envoyé Pikachu en tout cas. Je vais prendre Gravalanche. Ça a bien contré, je pense. Moi je sais qu'en tout cas j'avais galéré pour le battre en lui. J'espère que ce sera pas pareil pour moi. Ouais, j'ai jamais eu cette version. What? Moi ça va sur Soul Silver et Earth Gold, j'en avais pas trop chier. Il était tellement nul. Charme. Charme, ça attaque pas le... Enfin, c'est pas efficace sur le Pokémon du sexe opposé, Charme. Parce que... C'est une très bonne question. Parce que genre Pikachu est mal, mon Gravalanche est mal, il m'a fait Charme et ça m'a affecté. Et ça a fait quoi? Ça a baissé la défense, non? L'attaque, ouais, l'attaque. Ouais, non, parce que ouais, ça affecte tous les sexes. Ouais, je sais pas. Bon, à faire séisme, il va prendre un petit peu cher, je pense. C'est le genre d'attaque qui sert à rien en stratégie mais qui est absolument chiant quand tu fais l'aventure. Ouais c'est clair. Surtout quand t'as un Cisaiox. Ok, j'ai one shot Pikachu avec séisme, tranquille. C'est toujours ça. Voilà. On peut le faire. Il va utiliser qui? Mentally. Alors, qui c'est qu'on peut prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? On va rester avec Gravalanche. Ce sera plus simple. Ou pas. Ou quoi que. Si, peut-être. Ok, le Pokémon cheaté qui va te faire protection. Ok, ça lui a enlevé que dalle. C'est pas grave. Comment je leur mets la ratée avec un petit machin qui fait 3 cm de haut. Qu'on appelle plus communément Timur. Tous ceux qui jouent à League of Legends voient de quoi je parle. Ouais. Ok, j'ai pris un petit peu cher. Ça va, il me reste 44 PV. Ça va. Ouais. Ça va. Ouais, voilà. Ça va moyen quoi. T'aurais peut-être un petit objet dans le coin, du genre une potion hyper potion. Oui, mais il va me refaire psycho, donc ça servira à rien. Mais t'as pas Spectrum? Si. Bah, tiens, je vais le prendre. Salut. On prend Spectrum, un peu simple.
le paquet de thé que j'avais ramené. Ok, non, non. Je sais pas ce qui s'est passé, c'était n'importe quoi. Oui, moi non plus. On m'a one shot. Oh, Richard. Génial. Bon, c'est pas grave. Apprenti Flosion, toujours été fidèle, ou pas. Elle lui fait un lance-flamme. Ok, Mentally et KO. Parfait. Qui est le suivant? Tortank. Typhlosion, non. Sors, sors, va-t'en, va-t'en. Tortank. Ouais, j'ai pas vraiment de compte contre lui. Oui, contre lui. On a un Spectrum et KO, sinon je vais le renvoyer. On va envoyer Tétard, t'as le temps d'utiliser un rappel. Alors, rappel max sur Spectrum. Voilà. Mais vas-y, fais-moi sœur, faut savoir rien me faire. Ah si, quand même, un peu. Mince, je n'ai plus d'hypnose sur ce Pokémon. On va tenter quand même. Ok. Donc pour ceux qui veulent savoir ce que je fais sur League of Legends, je fais du 23-9 avec Timo. Voilà, c'était pas sur le règle. Allez quand même, c'est ça pas mal. Ça pique le cul. Ouais. Ben, oui. Je viens de commencer ma partie avec les deux et j'ai pas encore fait de kill. Bref, tu gagnes. Moi j'ai parié que tu perdais, t'as intérêt à perdre. Non, non, je suis en train de gagner. Oh merde. J'ai endormi Tortank avec hypnose. Ça va faire un beau troll. Comme quand j'ai fait la ligue. Un peu pareil avec Dracolos. On entend ma souris ou pas? Non, ça va. Gardez vos rêves. Redonne-moi de la vie. Je vais refaire la même chose. On peut le faire. Ok, Tortank qui dort toujours, il veut pas se réveiller, donc je vais le battre comme ça. Dès vos rêves. Coup critique. On n'entend pas trop, parce que j'ai un bon aspect, parce que j'ai un bon aspect. Ça va. Parfait. Gros flex. J'espère pour toi que t'as un type combat. Non, t'es dans le caca. J'en ai pas. En flex. C'est un bon, il te faut un physique alors. Physique. Qui c'est que je peux faire? Mais non! Je voulais voir les statistiques. Pourquoi j'ai renvoyé Ok, j'ai envoyé Ratatak. Je voulais juste voir ses statistiques. Je voulais pas l'envoyer. Bon, ça va, il est physique. Ouais, mais bon. Je vais faire gros fatal, ça va. Bon. Ah oui, quand même. Trop fatal, ça lui a quasiment enlevé la moitié de sa vie. Bon. Oh non, j'avais pas activé le recorder, je suis dégoûté. Trop fatal. Ils sont en train de... Eh ben, les gens, mon PC a réussi à crash sur Pokémon Crystal. C'est super. On est toujours en compagnie de ces gens qui sont avec moi, je sais pas qui c'est. Voilà. Moi. Je déconseille de savoir. Voilà. Donc on reprend le combat face à Ronflex. Si je crache, on dira que c'est Ronflex le responsable. Il s'est assis sur ton PC. C'est ça. Ça fait mal. Alors, n'empêche, ce serait bien. Comme ça, j'aurai un nouveau PC plus rapidement.
Ah ouais. Ou pas, mais bon. Il va faire robot. Voilà, il fait robot. Ce jeu est programmé. Tu sais, il y a un script et tout. Un script pour qu'il fasse telle attaque à tel moment. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Dents glacées. Ouais, ça lui fait rien, on est d'accord. En même temps, c'est un tank spécial. Faut pas s'attendre à ce que ça lui fasse des dégâts. On va reprendre... Vu qu'il est endormi, on va prendre Spectrum. On va lui faire des vos rêves. Ah mais non, si, je sais pas. Ouais, si, c'est efficace. Enfin, non, pas vraiment. Mais... Ok, il a refait repos. Je lui ai enlevé 3 PV. Mais arrête! Yahoo! Ah mais non, ah, il est super chaud ton Pokémon. Hein. Ok, j'arrête pas de faire des attaques de type spectre. C'est un monstre de puissance, tu sais. Hypnose. Mais genre, hypnose, si ça t'affecte. Ah ok, il dort déjà. J'accélère vite fait, parce que bon. Bon, il arrête pas de faire repos. Tant pis, on va spam avec Typhlosion lance-flamme. Ok, c'est genre. Il y aura un moment, il y aura plus de PP pour repos. Ouais. D'ici un ou deux ans. Voilà. Voilà, il m'a paralysé. Mec, plaquage. Ou alors, il m'a reparalysé mon deuxième Pokémon. Comment t'auras dû te hacker un Maconeur en fait? Mais génial. Une hyper potion, please. Voilà. Mais arrête, je suis déjà paralysé, calme-toi. Voilà, séisme, ça lui a enlevé quasiment la moitié de sa vie. Il a, et il a refait repos. Je suis paralysé. Ouais, la semaine prochaine. Hein. Et bien sûr, je suis paralysé, donc Gravalanche ne veut pas attaquer. Il va se réveiller, il va refaire repos. Non, il fait plaquage. Et je suis encore paralysé. Voilà, Conflex et KO, enfin. Ouais. On peut le faire, les gens. On peut le faire. Corizard, on va prendre Rattatak parce qu'il a vent glacé. J'aurais pu prendre Typhlosion aussi, mais bon, voilà. J'ai envie de prendre Rattatak, j'ai envie, hein, voilà, c'est tout. Ok, ça lui a enlevé que dalle de PV. Ok, si tu veux. Bon, je fais du 3-2. Voilà, je vais prendre Typhlosion, sinon il va me mettre cher. On va prendre une guérison. Okay. Je pense qu'on va lui faire un petit lance-flamme, ça va faire mal. Voilà, Florizarre et KO. Il te reste combien du coup là? Voyons voir. Ah, c'est son dernier Pokémon, Dracaufeu. Oh, attention, attention. Alors, ce sera, les gens, c'est notre dernier combat de ce Let's Play sur Pokémon Crystal. Un an et deux, trois mois, je ne sais pas. Ça fait super longtemps qu'on est dessus. Est-ce qu'on va enfin réussir à finir ce jeu? On va tenter un hydro-canon avec tes tartes et on va voir. Ok, j'ai raté mon attaque. Génial. Je veux faire ce hydrocanon, donc je vais réessayer. Hydrocanon. J'ai réussi mon attaque. Alors est-ce que Dracaufeu va être KO dès le premier coup? On croise les doigts. Il est passé à la moitié de sa vie. Il est dans le rouge. Et il est pas KO, il lui reste genre 5 PV. On peut le faire. Je pense. Encore une fois que ce sera un épisode qui sera pas trop long, pour une fois. Enfin, je pense que il n'y a rien après. On va lui faire surf. Voilà les gens. Pas le générique de fin. Ah voilà, générique de fin. On va laisser le générique de fin quand même.
c'est super efficace. Le Draco fait ennemi et KO. Que va-t-il se passer? Est-ce que Red va parler? Point de suspension. Mais oui, c'était un beau discours. Et il a disparu. Et générique de fin. Voilà les gens. Et donc, bah, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, bah, c'est enfin la fin de ce let's play sur Pokémon Crystal. C'est assez particulier parce que c'est la fin de mon premier let's play quand même. Première fois que je finis un jeu en vidéo du moins. Donc voilà, je sais pas. J'espère que ça vous a plu, chers abonnés, même ceux qui sont présents avec moi. C'était génial. C'était super. Voilà. Donc je laisse ce magnifique générique de fin. Avec j'ai perdu le nom du Pokémon qui est sur l'écran. Mais... c'est pas grave. Ouais, mais qu'est-ce que je peux vous dire, ben... merci de m'avoir suivi pendant tout ce temps. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, ben voilà, c'est... ça fait quand même... je me répète, ça fait un an que je suis dessus. Il y a plusieurs personnes qui étaient sur le let's play. Je pense à The Dark Player SH, Mr. Pion, The Twix Cool qui était là également, Dark Player Pokéfun et peut-être d'autres que j'ai oublié, je ne sais pas. Donc voilà, c'est très émouvant, voilà. J'en ai la larme à l'œil là. Voilà. Voilà, et donc voilà, bah, on se retrouvera sur de nouveaux let's play les gens, surtout en 2014. J'ai beaucoup de surprises à vous faire. J'ai, pour tout vous dire, j'ai un let's play prévu fin 2014. Voilà. Et voilà, on se laisse sur ce mot fin. Et je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Ah, ah. Peut-être quelque chose, je ne sais pas. Ok, ça nous a fait spawn devant un centre Pokémon. Bon ben les gens, ben voilà, je pense qu'on va se laisser. Attends, on va finir cette vidéo par un kill. Ben, j'espère que cette vidéo et ce let's play particulièrement vous aura plu. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. Je remercie à vous, chers abonnés, d'être venus sur cette vidéo. Mais de rien. Et donc voilà. Leurs chaînes seront dans la description, bien évidemment. Et nous te remercions pour ça. Et bah de rien, c'est normal. Et donc bah voilà les gens, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Sur ce, ciao tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Call me Ash, catch all the Pokemon in my stash. I wanna be the very best, I'm gonna give them the ultimate test. So bring in the power to get the badges to catch all the ones of different classes. Ink, double and back, now Pikachu, lightning attacks.